Le Bayern Munich a battu Beşiktaş 3-1 ce mercredi, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Vainqueur 5-0 à l'aller, les Bavarois ont confirmé leur supériorité et se sont qualifiés pour les quarts pour la septième année de suite. Le Bayern Munich a battu Beşiktaş 3-1 ce mercredi, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Vainqueur 5-0 à l'aller, les Bavarois ont confirmé leur supériorité et se sont qualifiés pour les quarts pour la septième année de suite. Quand le facétieux DJ de la Vodafone Arena, le stade de Beşiktaş, a lancé le tube des années 1990, What is Love, d'Adaway, pour célébrer le but de Wagner Love, 59e, face au Bayern Munich, l'affaire était déjà pliée. L'attaquant brésilien venait de ramener le score de 7-0 à 7-1 sur l'ensemble des deux matchs. Au moins l'ancien monégasque a-t-il sauvé l'honneur en marquant un but et récompensé ce public survolté qui a encouragé ses joueurs jusqu'au coup de sifflet final. Le film du match sur les deux matchs, le Bayern a prouvé qu'il était largement supérieur à l'équipe turque. Battu 5-0 à l'Allianz Arena, Beşiktaş savait que les jeux étaient faits au coup d'envoi. Au bout de 18 minutes, le but de Thiago Alcantara, sur un centre de Thomas Müller, a confirmé que ce seraient bien les Allemands qui iraient en quart de finale. Dès le retour des vestiaires, Gökhan Gönül, déjà trop juste sur le premier but, a trompé son garde, offrant aux Bavarois deux buts d'avance. Sandro Wagner, 84e, a donné un peu plus de consistance à la victoire des hommes de Jupp Heynckes. La rencontre aurait pu être parfaite mais le Bayern Munich a perdu Thiago Alcantara, sorti blessé dès la 30e minute et remplacé par James Rodriguez qui a effectué son retour à la compétition.